direct des cours d'entraînement. Voilà, on a eu la chance de voir Félix Ojeleassim jouer avec Arthur Cazaux, et puis maintenant il va y avoir Alexander Bubic. En direct du cours central, on a un programme de dingue ce soir avec la Night Session. On aura Andy Murray face à Benoît Paire. Creative Studio en direct de Montpellier. On a fait des passés parisiens jusqu'à dans le sud. Enfin, merci. On se connaît, non? Benoît Paire s'est imposé en 3-7 face à Andy Murray. C'était énorme, une ambiance de fou. Et là, on va tout de suite à la conférence de presse de Benoît. Du troisième, il est en train de bouger pareil. Donc ce qui a fait la différence, c'est simplement que j'avais le soutien du public qui m'a beaucoup aidé et que j'ai pu faire la différence avec mon coup droit. Je suis allé à la fin chercher les points, j'ai été un petit peu plus agressif que lui et ça fait la différence. Jawad, le fameux, le grand, l'immense, le mythique. Ah, ça filme là? Voilà. Bon, non, ça fait plaisir. Très très content de rencontrer l'instant tennis. Pierre, vraiment un tueur. Et franchement, n'hésitez pas à continuer à vous abonner hein, sur son compte parce que c'est incroyable ce qu'il fait, ce qu'il montre, la psy, tout ça est toujours dans la bonne humeur. On adore. Vamos acharné. Et si vous aimez les merguez, n'hésitez pas à aller à la boucherie du Chihamed parce que Omer n'a plus le téléphone, il a bugué. Au village, voilà, endroit très sympa, très convivial avec un écran géant pour regarder les matchs. Il y a de la pétanque. Il y a du ping-pong là-bas. Enfin, il y a plein de choses. Vas-y. Alors maintenant, on va jouer avec Anto Desjardins, qui est un mec adorable et en plus qui me monte mes vidéos. Il avait monté d'ailleurs la vidéo de Hicham Arazi qui a beaucoup marché. Il fait le malin là, mais il va perdre. Et là, on est à l'appartement avec Anto Creative Studio, monteur. Yo. Monteur exceptionnel. On est en train de travailler sur la vidéo avec Albano Olivetti, le jeu des cartes. Petit tour à la plage. Voilà, magnifique. Et puis là, on va à l'arena pour la suite. Jour 2 à l'Open Suite de France. On arrive à l'arena avec Anto. Et il va y avoir un truc de fou aujourd'hui. Il y a plein de matchs. Encore plein d'entraînements à suivre au bord du cours. On espère des petites surprises. Et puis, on se dit à tout à l'heure. Ciao, ciao.
petit tour à côté du court central. Voilà, là, la zone mixte pour les interviews d'après-match. Numéro 1. Entraînement en cours pour Félix Ojeda-Yassim et Borna Koric. Beaucoup de monde pour regarder Gaël s'entraîner, évidemment. Toujours un gros kiff pour le public hein, de voir le Français s'entraîner. Et puis il y a souvent des petites blagues, des petites facéties. On continue la petite balade tranquillement. Dépêche parce que Holger Rune est en train de s'entraîner. C'est la course. Beaucoup de monde pour l'échauffement d'Arthur Cazaux, forcément, à la maison. Arthur qui jouera ce soir à 19h, son premier match. Oh.
en direct pendant le match d'Arthur Cazaux. Très très gros début de match de la part d'Arthur. N'est-ce pas Jawad? Franchement c'est incroyable le niveau qu'ils ont les mecs, la régularité. Là on est bien chez les pros et nous à côté, voilà. C'est pour ça qu'on s'appelle les merguez. Franchement le niveau il est exceptionnel. C'est hallucinant. Alu, ça joue l'alu. En salle de presse, on attend Arthur Cazaux qui a fait un super match. Ambiance de fou. Franchement, il a été impressionnant, Arthur. Dis coucou à la caméra. Coucou Montpellier. Parce que là, tu viens de Melbourne, toi. Ouais, putain, je viens de Melbourne. J'ai perdu quelques degrés, je peux te dire. Le mec est en t-shirt. De Montpellier à Montpellier. Changement de programme. La conférence de presse d'Arthur sera à 22h. Donc là, on retourne sur le central voir Richard Gasquet. Tout à l'heure. Le mec est partout quoi. Le mec il y a 3 jours il était à Melbourne. Non, c'est en salle de. Bonsoir. Et rapidement dans le match et être solide du fond. Et non, j'ai un match sérieux pour commencer cette semaine. C'est plus... Le cours Patrice Dominguez où actuellement Hugo Gaston est en train de s'entraîner. On continue le petit tour. Je vais vous montrer un petit peu. Il n'y a pas grand monde, c'est sympathique. Alors, les cours d'entraînement. Voilà, où les joueurs s'échauffent avant leur match ou même quand ils sont en jour off, ils s'entraînent là et c'est vraiment incroyable de les voir si près. C'est parti pour le match de Gaël dans une ambiance qui s'annonce dingue. Incroyable expérience, on a joué sur un cours d'entraînement de l'Open Sud de France. C'était un truc de fou. Ah ça filme là. Retour à l'appartement après une journée de dingo. J'ai eu la chance d'interviewer Frédéric Fontan pendant presque une demi-heure. C'était passionnant. Et on a joué sur les terrains de l'Open Sud de France. Pff, un grand, grand moment. Très grand souvenir. On a la chance d'être sur le cours central où Hugo Gaston est actuellement en train de s'entraîner. C'est incroyable. Bon, salut les enfants. Déjà, sur 10, vous mettez combien à la Corée? Non, mais 12 sur 10. Ah, c'est sympa. 5? Attention, on diminue là. Du coup, après, c'est quoi? C'est 0? C'est...
Et du coup, vous allez faire d'autres tournois un petit peu? Ah bah c'est déjà, moi, j'ai fait, il y en a pas mal. On a fait Roland, Bercy. Après, il y a d'autres petits tournois. L'Open, on l'a déjà fait aussi parfois. Et du coup, vous êtes, comment ça se passe pour qui va, vous savez un peu qui va faire la finale ou pas? Aujourd'hui, on a eu. À partir d'aujourd'hui, du jeudi, c'est des équipes par niveau. Donc, on est 36. C'est des équipes de 6, donc 3 équipes de 6 sur le central. Ceux qui ont eu les meilleures notes pendant toute la semaine. Et les 3 autres équipes de 6 sur le 1. Et ça peut changer tous les jours jusqu'au dimanche. C'est en fonction des notes qu'on a tous les jours. Et vous pouvez nous parler un peu de l'effet que ça fait d'être sur le court central avec tout le monde qui applaudit, le bruit. Il y a une super bonne ambiance et la proximité avec les joueurs, c'est très impressionnant. C'est super bien, quoi. L'ambiance, c'est énorme. L'adrénaline, tout, c'est génial. Les joueurs, ils sont plutôt cool dans l'ensemble. Ça dépend. Il y en a qui sont un peu plus stressants. Qui... Et est-ce que l'échauffement, du coup, ça se passe comment? Tous les matins, on s'échauffe. Et après, en chaque rotation, on s'échauffe entre l'équipe pendant quelques minutes. Deux jeux avant, on s'échauffe. Gauche, travailler, ça n'a jamais été un problème. C'est sûr que juste après une défaite, des fois, t'es un peu déçu. Puis ça prend une journée ou deux. Puis après, je me dis, OK, qu'est-ce que je dois faire pour essayer de m'améliorer encore. Et à la fin, je prends plaisir à jouer et juste être sur le court. Je me sens quand même privilégié de faire ça tout le temps, même malgré les défaites, les hauts et les bas. Je prends plaisir à juste jouer au tennis. Donc ça, c'est bien. Ça n'a pas changé depuis des années. Ça y est, dernier jour. Cette fois, c'est vraiment le retour. Hein, parce que je devais rentrer hier soir, mais la Night Session était tellement dingue avec le match entre Arthur Cazaux et Félix Auger-Aliassime que j'ai décidé de rester et de reporter mon billet de train. Et j'ai pas regretté hein, parce que le match était vraiment incroyable. Et puis après, on a assisté aux conférences de presse. Et passionnant de pouvoir échanger, de poser des questions à Félix, qui est quelqu'un de vraiment intéressant à écouter, je trouve qu'il partage beaucoup de sincérité et énormément de respect, donc c'est une chance de pouvoir parler à ces champions. Juste derrière moi le cours central, magnifique. Quelques balles avec les ramasseurs de balles avec qui on a tourné la vidéo hier. Thank you.
Fini Pierrot. Ça y est, le départ, retour à Paris. Magnifique, c'était dingue. Franchement, c'était un truc de fou. Merci à Anto qui me ramène à la gare. Et puis voilà quoi, j'espère que vous avez apprécié ce vlog. Et puis de toute façon, on se dit à très vite pour plein d'autres aventures.